toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer. Gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Même si vous bétonnez les cinq continents, pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs, les rivières, la lie empoisonnée des centrales nucléaires. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Les fusées et les bombardiers géants. Même si vous détruisez dans le fer et le sang les fruits de 10 000 années de civilisation. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer. Entière ne sera plus que gravats. Alors c'est du fond des mers que la vie renaîtra. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer. Non, 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 non. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer. Gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer. Non, 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 non. Touchez pas à la mer. Les 5 continents, pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs, les rivières, la lie empoisonnée des centrales nucléaires. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de vagues.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal télévisé entièrement consacré à la classe de mer de l'école libre de Pau. L'occasion pour vous de retrouver ce séjour vécu, je vous le rappelle, au centre Lagarenne, à la Bernerie en Ré. Trêve de baratin pour ma part, puisque je vais m'effacer pour laisser le direct à vos enfants qui, pour l'occasion, vont vous présenter ce journal, avec Guillaume en plateau et toute une équipe de reporters sur le terrain. Allez, je m'efface. Guillaume, c'est à vous pour le direct au centre Lagarenne. Guillaume. Merci Jean-Claude de me donner l'antenne. Nous sommes en direct du centre Lagarenne à la Bernerie en Ré avec la classe de mer de l'école de Pau. Nous commençons notre journal par un premier sujet sur le canoë. Reportage Clément Perraudeau. Oui Guillaume, je vous reçois bien en direct du bassin nautique de la Bernerie en Ré, où nos élèves découvrent pour la plupart le canoë qu'ils ont grand plaisir à pratiquer grâce aux beaux conseils de Roland. Je vous invite à regarder quelques extraits de leur progression au fil de l'eau. Thank you.
À présent, nous partons à la découverte des parcs à huîtres de la Bernerie-en-Ré. Un reportage sur l'ostréiculture présenté par Régis Maillot. Oui, tout à fait, mon cher Guillaume. Nos jeunes paluséens découvrent les bassins d'huîtres du pays de Ré. Grâce à leur accompagnateur Roland, les huîtres plates, creuses et fines n'ont plus de secret pour eux. Tout de suite, nos images. À huîtres de la Bernerie des Moutiers. Vous êtes dans les parcs à huîtres de la baie de Bourgneuf. Dans ces parcs à huîtres, vous avez des endroits qui sont des rochers et vous en avez d'autres qui sont sur des tables. Les rochers servent de collecteurs. Les tables servent aussi à mettre des collecteurs, mais ce sont des collecteurs artificiels. On va l'expliquer tout de suite. Et ensuite, eh bien, on les met en sac. Est-ce qu'on va remplir les poches? Non, pourquoi? Parce que les huîtres vont grossir, donc il faut leur laisser la place. Eh bien, on vient les secouer, parce que pourquoi? Il faut toujours les secouer et changer un peu les secouer. Un sujet qui met en appétit, n'est-ce pas? La transition est donc facile, puisque nous retrouvons un reportage sur le repas présenté par Charles Comard. Je suis à l'antenne. Oui, Guillaume, nos élèves sont déjà à sa table et ils ont très bon appétit grâce au petit plat préparé par Jean-Pierre. Au menu, macédoine de légumes, riz, blanquette de veau et au dessert, manger des pommes. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche.
on retrouve le canoë deuxième partie présenté par Clément Perraudeau. Oui Guillaume, voici notre deuxième partie d'élèves toujours au canoë, qu'il semble de mieux en mieux maîtriser. Par équipage de 3 à 4, tout de suite nos images. Nos jeunes élèves sont de vrais sportifs, la preuve dans ce reportage sur Pornic présenté par Anthony Lenay. Oui, tout à fait Guillaume, nous voici en direct de Pornic que nous découvrons après deux bonnes heures de marche le long de la baie de Bourgneuf où nous avons pu remarquer un dolmen et un tumulus. Ici, c'est Gilles Doré qui tient la vedette avec les chalutiers.
Allez, place aux images et en musique s'il vous plaît. Gilles de Rais, vous savez, ça a été un garçon extrêmement intelligent, très gâté dans sa jeunesse, qui est devenu un chef de guerre remarquable, un chef d'armée même, qui a eu des hauts faits militaires. Il est devenu un des plus puissants seigneurs de France. Il a même été maréchal de France. Et il a été aussi lieutenant de Jeanne d'Arc. Vous voyez, un personnage historique important pour le pays de Rais. Mais aussi, il a eu une décadence terrible, une vie vraiment pas très jolie, jolie. Il a même été jusqu'à tuer des enfants. Et il était alcoolique, il avait énormément de défauts dans la fin de sa vie. De sorte qu'il a été arrêté, il a été jugé et il a été décapité après avoir été jugé à Nantes. Voilà la vie de Gilles de Rais. C'est le château de Gilles de Rais dont nous a parlé Roland. T'es sûr que c'est celui-là? Ah ça, j'en suis sûr. Il n'y en a pas 36 à Bornic. Ah ouais, Barbe Bleue, celui qui tue les enfants. N'importe quoi. Barbe Bleue, d'abord, il tue les femmes, pas les enfants. Et puis, c'est des légendes des contes de Perrault, comme Cendrillon, Blanche-Neige. Eh vieux, faut arrêter au Disney. Tu me cherches ou quoi? Allez, te prends pas la tête. Même les adultes se gourrent avec ça, alors t'es vachement excusable. Je savais bien que c'était leur faute. Allez. Tu vois, ça n'était pas la peine de se faire la guerre pour ça. Tu viens, on risque de louper les explications de Roland sur les chalutiers. Vous êtes dans le port de plaisance de Pornic. En fait, c'est construit sur Sainte-Marie. Vous avez un port là qui peut contenir jusqu'entre 900 et 980 bateaux. Vous voyez que c'est très très grand. Vous avez tout un tas. Et t'as vu ce super chalutier? Ouais, merci, je suis pas aveugle. Eh bien, là, un truc que tu sais pas. Eh bien, quoi? Eh bien, dans ce bateau... Il y a un filet qui s'appelle le chalut, d'où le nom chalutier. Comment tu sais ça, toi? Ouais, on a là-dedans. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Te fâche pas, j'ai juste écouté Roland. Allez, ça fait rien, viens. Ouais. On retrouve la deuxième partie du repas présentée par Charles Écomard. Effectivement, Guillaume, nous sommes à la deuxième partie du repas. Nos élèves ont toujours très bon appétit. Bonjour les kilos, n'est-ce pas Jean-Claude? Tout de suite, nos images.
Après le canoë, voici le kayak. Une différence que va nous expliquer notre reporter. Oui Guillaume, la différence entre le canoë et le kayak, c'est que dans le canoë, on est à genoux avec une simple pagaie. Et dans le kayak, on est assis avec une double pagaie. Tout de suite, nos images. Thank you.
Une classe de mer, c'est aussi l'occasion de découvrir toute l'histoire de la région. Voici un reportage sur Prigny présenté par Lydie. Oui Guillaume, après quelques kilomètres à vélo, nous voici à Prigny où nous faisons étape. Comme le faisaient autrefois les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au programme de la visite, la chapelle, une pierre à cochon et la fameuse statue de Saint-Guénolé. Tout de suite, notre sujet. Vous avez d'abord à Prigny, donc, le relais de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez un saint ici qui rappelle que Prigny avait énormément, faisait partie de la baie de Bourgneuf, et avait énormément de salines, c'est-à-dire extrayait beaucoup de sel. Vous avez aussi tout un tas d'histoires locales avec tous les gens qui sont venus ici pour pouvoir dominer le pays, en particulier les Vikings. D'ailleurs, vous avez à Prigny la butte aux Danois. Et puis alors, vous avez aussi un saint anglais là-haut. Donc, vous avez tout un tas de choses. Donc, la mer venait là. Vous avez relais de Saint-Jacques-de-Compostelle et vous avez le sel. Un bon conseil, passe cette pierre. Ah ouais, et pourquoi? Parce que c'est une pierre à cochon. Une pierre à cochon? Je veux simplement t'expliquer que dans le temps, on mettait cette pierre pour empêcher les cochons d'aller bouffer les morts. Bon, ça y est, t'as fini, je peux y aller. Bah tu vois que t'es pas un cochon, t'as passé la pierre. Haha, je me marre, arrête, j'ai mal au ventre. Ça c'est parce que t'as trop bouffé de porc à midi. Et dis, tu sais ce qu'elle représente cette statue? Merci, je suis pas aveugle, Saint-Guénolé, et alors? Et alors, il y a un truc que tu ne sais pas. Bon, ben vas-y. Eh bien, si t'as un problème pour trouver un mari, tu viens voir Saint-Guénolé. Eh ben quoi, qu'est-ce que ça change? Il paraît que si tu lui plantes une aiguille dans le pied, l'année qui suit, tu trouveras un mari. Imbécile, si tu crois que j'ai besoin de ces superstitions de grand-mère pour me trouver un mari, tu te trompes. Oh allez, te vexe pas. De toute façon, tu n'auras pas besoin de Saint-Guénolé, puisque je suis là. Alors là, tu peux toujours courir. Ça tombe bien, je cours vite. Ce petit bâtiment, les enfants, s'appelle une lanterne des morts. C'est une lanterne des morts, là, qui est toujours en fonctionnement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, soit au Moutier, soit à Prigny, on l'allume, et tant que l'enterrement n'est pas fait, la lanterne reste allumée. Cette lanterne de mort.
Avant d'aller se coucher, nos élèves profitent d'une veillée jeu. Reportage Benoît Jolin. Non, non, Guillaume, ce soir, pas de vieilles jeux. Au programme, une veillée folklorique avec des danses traditionnelles du Pays de Ré. Le groupe de l'élan de la Belle Époque vient spécialement pour nous. Nous allons apprendre la danse trois coups de talon. Tout de suite, quelques extraits de la soirée. Thank you.
voilà, notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous aurez grand plaisir à vous le rediffuser. Jean-Claude, je vous rends l'antenne. Bonsoir. Merci Guillaume de me rendre l'antenne, il parle déjà comme un pro. Voilà, ce journal est terminé. Pour ma part, je vous quitte et vous dis dans 10 ans, 20 ans ou plus, pourquoi pas, pour retrouver ce journal dans vos archives vidéo. Bonsoir. Il s'en allait,
le cœur léger. Il s'enivrait d'aventure dans le temps. Il chantait sur la mer, voile au vent. Il vivait les corsaires au jour le jour. Mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. Il s'enivrait d'aventure dans le temps. Il chantait sur la mer. Thank you.